Yes, yes, no. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et oui, les amis, yes, yes, no, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de vous faire une petite vidéo Reddit, parce que ça faisait très longtemps quand même que je n'en avais pas fait. Mais le problème avec les vidéos Reddit reste toujours le même. En fait, je ne connais pas assez bien le réseau Reddit. Et comme la plupart du temps, tous les comptes populaires ou quoi qui postent des trucs super sympas ou qui ont des concepts fun, c'est des comptes genre anglais, tu vois, genre en français. Dans les comptes français, il y a rien sur Reddit. À moins que vous en connaissez, je sais pas. Mais du coup, ici, pour trouver un bon compte Reddit, j'ai dû aller un petit peu chercher sur YouTube et je suis sur une vidéo de Squeezie, donc merci Squeezie pour le coup, où en fait il faisait une vidéo sur le fameux compte Yes Yes No, qui consiste tout simplement genre, imagine il y a un gars, il fait un truc de ouf, t'es là, waouh, il fait un truc de ouf, c'est incroyable, ce mec est le boss, c'est un génie, tout se passe bien, c'est un truc de fou, mais à la fin genre il se casse la gueule ou ça part en couille, c'est ça le oui, oui, non, tu vois, genre ça commence bien, mais ça finit mal, en gros c'est le meilleur résumé que je peux vous donner, donc je l'ai vu faire ça, je me suis dit mais attends, c'est trop bien comme concept, voilà, pourquoi pas découvrir tout ce compte tous ensemble. En tout cas j'espère que les vidéos Reddit continueront de vous plaire, moi je kiffe ça, et surtout j'ai besoin de vous, si jamais vous connaissez plein de comptes, et ben n'hésitez pas à me mettre le nom du compte Reddit avec une description du concept en fait du compte, tu vois. Donc n'hésitez pas, j'ai vraiment besoin de vous parce que je n'y connais rien à Reddit. Bref, sinon mis à part ça, on est parti directement, j'espère que vous êtes prêts. Let's go. Ok, première fois à la plage. On a tous connu ça, hein. Tu découvres la plage, t'es là en mode, waouh, c'est trop cool, t'as l'eau qui arrive, tout se passe bien, il mène sa meilleure vie, il passe une super... Je n'étais pas prêt. Attends, on se la refait quand même là vite fait. Oh mec, le chien il a cavalé. Par contre j'espère que le gosse il s'est pas fait trop mal, parce que t'es mal à chute qu'il fait, bon, bam. Heureusement il y a sa mère ou son père qui le retenait, donc je pense que ça va, il s'est pas cassé la tête contre le sol. Mais quand même c'était violent. Est-ce que c'est un mec qui fait du golf? Ah merde. Non, arrête, tu déconnes, mec. Ça trouvé, il a fait genre une invention entre guillemets pour que ça fasse un truc super stylé. Je suis sûr qu'à la fin il y a tout qui va capoter, mec, c'est sûr. Mec, c'est trop satisfaisant. Où est-ce que ça va foirer? Mec, c'est un génie, gros. Regarde ça, comment c'est super long. Ah non, le seum. Ah, ah, ah. Oh, si, 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 si. Elle redescend. Non, mec, c'est incroyable. Attends, c'est vraiment rentré dans le truc noir. Ok, les dominos. Mec, j'attends trop la chute. C'est tellement cool, là. C'est tellement satisfaisant. Les casseroles et tout, et ça foire à la fin, mais non, il doit être dégoûté. Ah, c'est trop dommage, mec. C'était si cool. Tout avait l'air si parfait. Genre, ça a failli se foirer une première fois. Et ben non, la balle a continué, elle a redescendu, elle est bien allée dans le tuyau noir. Enfin bref, c'est incroyable. Par contre, ce genre d'invention, franchement, les gars, c'est des génies. Alors oui, faut avoir beaucoup de temps à perdre. Hein. Chômage, bonjour. Mais c'était grave cool. J'imagine même pas le ressenti que devait avoir le mec, mais je suis limite aussi dégoûté que lui. J'aurais trop aimé avoir une bonne fin. Mais bon, dans l'ensemble, c'était quand même très satisfaisant, on va pas se mytho. Mission impossible. C'est n'importe quoi, mec. Je suis sûr, au dernier moment, elle va tomber. C'était sûr, en fait. En fait, c'était sûr. Mec, le bon qu'elle a fait, genre, à la fin, regardez ça. Elle se laisse tomber, tu sais, genre, c'est bon, j'ai plus de force, je me laisse tomber. Incroyable, cette vidéo. Ok, donc là, on a quelqu'un, j'allais dire, qui écrit sur un gâteau, mais non, elle fait un truc super stylé, elle arrive super bien à écrire. Les gens qui arrivent à super bien écrire avec des poches comme ça à douille, franchement, c'est vraiment du talent, hein, c'est limite de l'art. Je suis sûr qu'à la fin, genre, la douille, elle va partir, et il va y avoir une grosse flaque. Attends, je dis rien, mais je suis sûr que ça va être ça, mec. À la fin, ça va se foirer. Friend. Bah non. Finalement tout s'est bien passé. Mon fils, un jour tu comprendras et tu apprécieras ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Merci papa. On voit une pile de billets là derrière et il fait pousser du cannabis, je suis mort. Ok, c'est quoi ça? Ok, il a pas l'air d'être très net. Il balance des trucs au calme, il pète la vitre. Dans le plus grand des calmes. Il arrive, mais s'il avait du mauvais pied ou quoi? Ah, il insiste en plus, hein. Ils ont vraiment tout pété, hein. Je suis sûr qu'il va se prendre le karma, mec. Il va se manger un karma légendaire, gros, regarde. Coup de coude, il va se couper, c'est sûr et certain. Il a tout pété. Genre dans quel but? Ok, il se pose. On comprend rien à cette vidéo, mec. J'ai pas vraiment suivi le délire, mais pourquoi pas. Un gosse avec une batte de baseball va se fracasser la tête. Bah, c'était obligé, mec. C'était évident que ça allait se passer comme ça, c'est sûr. Petit gif là d'un mec en skate. Ok, une mère et sa fille. Allez, chez le karma. Tu vois, tu veux faire une blague? Et ben tiens, tu prends le karma légendaire, mec. Ah, on est sur un truc mignon là. On donne le... Oh non, le pauvre. On donnait le biberon, genre, oh le pauvre, il est rempli de lait maintenant. Regardez, ça partait si bien, c'était si mignon. Bon, la qualité est pas ouf. Et après, il se ramasse tout le lait, le pauvre. On a une femme qui est sur un PC. Je pense que... Ah, les bâtards. Ils avaient collé une fausse affiche, en fait. C'est pour ça qu'elle avait beau toucher sur les touches de son clavier, il y a rien qui changeait. En vrai, c'est pas mal. C'est une bonne blague. Faites-la à vos amis, hein. Attends, il y a une chute, vous pensez à la fin ou pas? Ah les bâtards! Au lieu d'avoir un téléphone, ils avaient remis un stick. Jusqu'à la fin, ils l'ont prank.
C'est des génies, mec. C'est vraiment des génies, putain. Ils ont tout fake, en fait. Ok, bon, je pense que le coup qui s'est pris à la fin, à mon avis, c'était pas fake. On n'a pas pu voir ce qu'allait se passer, mais je pense qu'à mon avis, il prend cher. Je crois que j'ai déjà vu celle-là. C'est un bébé qui s'éclate, mec. Et le bébé, il tombe comme une merde. Hop là, allez hop, ça dégage. Moi je pense pas qu'il se soit fait très très mal en soi, il y avait de l'herbe. Mais bon, c'est bien drôle quand même. Ok, on va sauver quelqu'un qui est dans l'eau. Ou alors c'est juste un délire entre potes. Ouais, je pense plutôt que c'est un délire entre potes. Mais je suis sûr il va tomber. Oh, mais c'est un malade gros. Ouais, ça va, il s'en est bien tiré gros. Imagine, il aurait lâché dans les airs. Regardez ça, si là il avait lâché mec. Oh, il aurait pu se faire tellement mal. Du coup, il s'est pété contre le truc. Je m'attendais à pire quand même. Ah, je regrette. Je suis dégoûté. Je pensais que tout se passait bien et au final, c'est parti en couille. En gros, il doit essayer de viser les gobelets. Premier, ça passe. Deuxième, ça passe. Avec des cartes en plus, hein, super satisfaisant. Et le troisième, dans les boules. Allez, bim! Par contre, mine de rien, le mec, c'est quand même un boss, hein. Parce que pour pouvoir réussir à faire tomber les gobelets comme ça, avoir une telle précision, franchement, c'est du talent de ouf et ça doit être de l'entraînement de ouf, que ça doit être tellement compliqué. Mais j'avais déjà essayé une fois chez moi, jamais j'ai réussi. Ouh, je le sens très très mal. Aïe 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 aïe. Ok, bah voilà, il l'avait pas vu, hein, il s'est pris un poteau. Regarde, hop, il s'est mangé le poteau, le lampadaire, tout ce que tu veux. Et le pire, c'est que s'il avait pas eu ça, il aurait géré, hein, parce que le mec gère de ouf, mais non. Ok, un père, ses enfants. Ah, les bâtards, je crois qu'ils mettent un feu d'artifice près du chat. Ah non, non, c'était pas prévu que le chat soit là. Attends, il va revenir. 100%, il va revenir le chat. Mec, c'était nul. C'est quoi ce gros fake? J'aurais trop aimé voir la tête de la famille au moment où ça fait... Ploup. C'est excellent. Ok, ça, je crois que c'est un décollage d'avion. Oh merde. Oh merde, ça doit tellement stresser, ça. Genre là-haut qui tombe. Enfin, en soi, tant qu'ils sont dans les airs, ça va. Mais imaginez l'atterrissage. Imaginez, ça fait foirer tout l'atterrissage. Pas sûr qu'ils aient décollé, finalement. Hein. Parce qu'à mon avis, ils ont vite ralenti, ils sont vite posés. Par contre, le stress que tu dois avoir, chaud, quoi. Ok, un gosse qui est en train de faire un petit mélange, là. Dans le cocktail de sa mère. Ah non, mais gros, tu peux pas faire ça. Interdit de faire ça. En plus, je suis sûr que le cocktail, il a coûté un bras, gros. Ouais, c'est trop bien. Alors, on a un TikTok. Ah, merde, putain, il voulait sauter au-dessus de la caisse. Bam, il pète la vide, gros. Oh, jouer à une simulation de jeu de balle. What? Attends, il vient de se passer quoi, là? Attends, hein. Poum, il esquive dans le plus grand des calmes, comme ça. Hop là, petit coup vers la droite. Ah merde, c'est le karma, ça. Regardez sa tête, regardez sa tête. Attends, regarde le changement, mec, d'émotion sur son visage. Regarde, hein. Il a tellement le seum. Ah, il a dû s'éclater. Aïe, 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 le coup. Putain, vous avez vu comment ça se retourne? Regardez, hein. Puis ça s'enchaîne à chaque fois, regardez la tête. Ah, mec, il doit avoir trop, trop mal au cou. Quand je vois des chutes comme ça, j'ai tellement mal pour eux. Ok, le mec qui fait des bulles. Il fait tout tomber. Oh my god. Et il se torche en plus, mec. Déjà, le pauvre, il fait tomber son truc, son liquide. Et ensuite, il tombe. Attends, mec, s'il retombe, gros. Non, quand même pas. T'es quand même pas... Ah si, il retombe encore une fois. Ok, on a deux gars dans une piscine, je crois. Ah merde, plus l'eau elle est dégueulasse gros. T'es mal à la couleur de l'eau. Tu te baignes deux secondes là-dedans gros, t'as toutes les maladies du monde. C'est quoi cette eau dégueulasse? Interdit, et bandit. Ah mec, c'est trop bien, c'était une poupée en fait. Putain, je pensais tellement, genre, dites-le moi dans les commentaires qui ici pensait que c'était un vrai gars. Trop bien gros, l'illusion d'optique comme ça là, incroyable. Ok, on a un TikTok, le chat qui vient faire des câlins avec le chien et tout. Trop mignon mec. Qu'est-ce qui va se passer? On se met des grosses patates là. Attends, le chat commence. Eh, hey, du calme l'ami. En fait, il voulait l'amadouer, tu vois. Il vient en mode ouais, je suis gentil, regarde, on est potes. Tout ça après pour lui mettre ses meilleures droites. C'est un Judas ce chat, on va le renommer Judas gros. Ok, une vidéo d'animaux. J'aime bien les vidéos avec les animaux, c'est toujours marrant. T'as le chien qui dévale les escaliers, il remonte, je sais pas pourquoi. Oui. Mais gros, qu'est-ce qu'il lui a pris, mec? Il s'est dit, vas-y, je vais descendre l'escalier. Pour l'utiliser, il s'est dit, ouais, non, attends, je vais revenir en arrière, je vais faire un truc putain stylé parce qu'il y a la caméra qui filme. C'est bon. Ok, un TikTok. Ah, c'est les ballons là que font les couilles généralement, là, tu vois. J'ai toujours kiffé quand j'étais gauche, j'adorais ça, moi. Le mec, il vient de gâcher. Carlos. Arrête. Arrête, gros, j'avais dit, il gâche tout mon plaisir. J'étais là en mode non, je suis trop déçu. Je pensais qu'il allait nous faire un truc trop stylé. C'est quoi ce génie, gros? Oh, mec, c'est pas possible, c'est un montage. Carlos. C'est un montage, c'est pas possible de faire un mini cheval comme ça. Incroyable, gros. Meilleure vidéo de cette vidéo. Allez, vas-y, on s'en fait un dernier.
petit saut. Elle se prend toute la barrière. Wow, elle a dû vraiment dû se faire mal. Par contre, dommage pour la qualité de la vidéo, hein. C'est pas ouf. Hein. Comme la qualité était dégueu, on s'en fait un petit dernier. C'est un mec en train de vlogger, hein, voilà, youtubeur en herbe, très clairement. Il est dehors, il y a de la neige. On the snow. I mean... Ah, je suis vraiment un chien, mais je kiffe trop. Avoue que c'est marrant quand même. Ouais, belles petits amis, je pense qu'on a eu notre petite dose de Reddit pour aujourd'hui. Il est donc temps d'arrêter et de se quitter. Et vous inquiétez pas, on se retrouvera peut-être dans d'autres vidéos Reddit. Pour ça, je compte sur vous, hein. Je vous l'ai dit en début de vidéo. Mettez-moi des comptes Reddit que vous connaissez avec des bons concepts. Bref, en tout cas, si la vidéo vous a plu et que vous voulez encore plus de Reddit dans l'avenir, n'hésitez pas à me mettre votre plus beau pouce bleu. Ça me fait plaisir et puis ça aide énormément la chaîne, vous le savez. À me mettre un petit peu dans les commentaires ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi j'ai vraiment kiffé. C'est des petits tournages qui sont très posés, très cool. Je vais pas vous retenir plus longtemps. Abonnez-vous à la chaîne ici si ce n'est pas encore fait, à la chaîne secondaire juste ici, ou checker deux de mes autres vidéos juste ici. Bonne journée, Fred, comme toujours, je vous dis prenez soin de vous, portez-vous bien, bye bye tout le monde.